entrer dans une société secrète. Dans une société tellement secrète qu'elle tend à disparaître. Comme la noblesse, le milieu des durs se dégrade. Il perd ses traditions et ses signes héraldiques. Les tatoués n'ont plus de place dans la société actuelle. Ils se font tatouer par ennui, cabotinage et signes de reconnaissance, par défi pour marquer des dates fatidiques, enfin et le plus souvent pour faire comme les autres. Nous sommes les mordus de la vie, car la vie nous a mordus. Et sur nos peaux, elle a inscrit les petites et les grosses conneries ineffaçables. Nous nous sommes tatoués sur la peau la lutte et la mort des costauds. Et pour montrer qu'on n'est pas des lâches, on s'est zébré le front avec des morts aux vaches, sans la rousse et sans dictionnaire. Comment voulez-vous qu'on se rappelle des malheurs ou des bonheurs et d'autres charmants amuse-gueules qui ont enchanté notre bagatelle? Les tatoués ont leur quartier général comme les rapins en Montparnasse. Ici, les techniciens du tatouage se réunissent selon des affinités d'école pour discuter de l'évolution des formes artistiques. Sur le même disque, raconte notre vie, se trondienne usée. Ce tatoueur est un petit copiste, un faussaire. J'ose espérer que l'on ne confondra pas son œuvre avec un roux authentique. On peut feuilleter ici le livre d'images du bonheur. Tout cela est fort banal. C'est la seule matière qui est originale. Écrire sur peau d'homme. Un point au milieu de la main suffit à celle-ci pour être prise dans l'engrenage du milieu. La gouate est pointée sur la joue gauche. Les trois points dévoilent un affranchissement séculaire, car ils servaient aussi bien aux Templiers qu'à la franc-maçonnerie révolutionnaire. La dégradation moderne réduit ces trois points à n'être plus que le mort au vache de la plèbe, la Marseillaise des durs. Ces quatre points signifient « seul dans ma cellule ». Tout seul dans ma cellule. Un trait à la dernière phalange est le signe de ceux qui sont allés au bagne d'enfants. Les hommes rejetés hors d'un mécanisme par leur impuissance de suivre leur rythme ne sont puissants que pour les romantiques. Mais leur langage clame la faiblesse de leur destinée, où la malchance, la sorcellerie et l'inconnu interviennent. L'encre sur l'avant-bras est le signe corporatif des marins. Une paire de sabots marque la première année de prison du marin. Le falot représente l'angoisse par laquelle un homme se sent dépouillé de ses avantages naturels. Les durs, passés par l'isoloir, portent une fleur de lys derrière l'épaule. C'est le signe des rois. Il y en a au bagne, comme en tous les royaumes. Les voyous qui sont êtres de nuit portent le soleil marqué sur l'omoplate. Les deux traits agrandissant la commissure des yeux sont une coquetterie de souteneur. Il nous quittait sans espoir, sans aide.
La femme de leur vie est la guillotine. Après avoir couché avec elle, ils n'en connaîtront plus aucune. Celui-ci veut fixer son regard sur l'instant de sa mort. La fleur bleue du bandit représente la victoire du sentiment sur la raison du droit. Les tatoués sont coquets comme des courtisanes. Malheureusement, le paysage ne change guère et les filles effeuillent toutes les nuits la même marguerite. Les enfants enfermés rêvent de la liberté et du printemps des papillons. Il n'est plus que les tatoués, les demoiselles de pensionnat, pour aimer encore les papillons. J'ai souffert, maintenant je vais. Les bandits sont des hommes qui connaissent les seuls métiers de la violence. C'est pourquoi la carrière militaire est la première où ils puissent trouver un emploi à la mesure de leurs capacités. On n'aime pas l'armée lorsqu'on la déserte. On l'aime lorsqu'on s'y cache, déserteur d'un ancien commandement. Le rêve des tatoués serait que l'on désarme les adjudants afin que la bombance et l'espérance règnent enfin sur la terre au détriment des vaches et des braves gens. Aiment leur patrie et sa glorieuse histoire. Leur vaste culture leur permet de s'inspirer de ces grands événements. La pureté du crime rejoint la pureté de l'amour. Et tous les hommes meurent sous le signe de la privation éternelle. Ces hommes qui prétendent échapper aux étiquettes passent leur vie à s'en coller. Le tatoué s'enferme dans sa peau comme dans une valise en peau de porc, une valise de lune qui a beaucoup voyagé et sur laquelle on a collé des étiquettes exotique et bigarré. Celui-ci ne manque pas de signes particuliers. Il ne craint pas de perdre ses papiers d'identité. Il ne lui manque tout au plus que les tampons de la préfecture de police. Assoiffées du sang des autres. Elles ont échoué sur ses peaux comme une panoplie de chasse au musée Grévin. L'aigle a toujours été le symbole des armées conquérantes. Le cadavre des armées conquérantes est le mets préféré des vautours.
Voulez-vous visiter l'étranger? Regardez les prospectus de cette agence de wagons-lits. Les noms des pays eux-mêmes sont déjà chargés de poésie et d'aventure. Les villes de légende se sont vulgarisées. Les femmes nous déchirent le cœur et nous arrachent la peau. Ces souvenirs d'amour ne jaunissent pas. Ils se rident mais ne se fanent jamais. De ces femmes, on veut dire qu'on les a dans la peau. Les tatoués ne peuvent que transformer leur corps en un rayon de carte postale. L'art du tatouage entre dans une phase de décadence. Les armoiries se transforment en poussière avec le corps des derniers tatoués. Les anciens chevaliers de la Bastille et de Pigalle se plaignent de n'avoir plus d'élèves auxquels transmettre les secrets du noble langage. Pour baratiner, on n'a pas le temps. On n'a pas assez de peau pour un roman. Un petit mot par-ci, par-là et blanc. On est enfermé bien qu'innocent. Et on nous laisse penser nos écrits. Si ces rimes ont si triste mine, la chanson un peu plagiada, c'est qu'elles sont pas faites par des bourgeois, mais par des enfants de la guillotine. On a gravé des yeux pochés. On attend tatoué, tatoué, tatoué. Que l'État inquiète notre esthétique. Va nous faire un tatouage satirique. Derrière la nuque.